Bonjour. Salut. Ceci est une interview improvisée. On tient la caméra et voilà. Une interview rigolote. Interview un peu atypique. On y a passé 2 ans peut-être, un truc comme ça. On a pris le temps pour le faire. On a composé beaucoup de trucs, beaucoup plus de chansons, je sais pas, une quinzaine peut-être, une douzaine, un truc comme ça. On a retenu 5. On a tout fait tous les deux, sauf les textes. Les textes, je me suis aidé de quelques potes. Et voilà, on a tout arrangé tous les deux. Cyril a mixé et masterisé. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Non, surtout que c'était vraiment une longue aventure. Comme il a dit, on y a passé vraiment beaucoup de temps. C'était une recherche de sonorité, d'une patte, parce qu'on partait de rien, on n'avait encore pas vraiment d'identité sonore. C'est de la pop, pop électro, variété française, chantée en français. Poétique. Poétique, avec une musique assez accessible. Que dire, c'est déjà très bien. Elle vient de là, ouais. Elle vient d'ici même. Non, mais je sais pas, je l'ai beaucoup travaillé, ça fait longtemps que je chante, et du coup j'ai essayé de chanter plein de trucs différents, enfin, toujours du rock, mais si tu me demandes de chanter du jazz, je sais pas faire, ou très mal. Mais j'ai essayé de copier en fait beaucoup, plein de chanteurs, je les ai copiés, et puis après, après une fois que j'arrivais à peu près à les copier comme je voulais, j'ai essayé de me débarrasser de ça et de faire un truc qui n'avait rien à voir avec eux pour faire mon propre truc. Donc essayer de leur piquer leur truc pour en faire totalement autre chose. Je crois que c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent, quoi. T'essaies de t'approprier les codes des autres pour après créer les tiens. Personnellement, j'ai arrêté de faire la vaisselle, tellement je suis devenu une star. Toi? Moi, je fais toujours la vaisselle parce que je suis pas une star. Mais non, absolument rien n'a changé. On est toujours dans nos petites vies, on fait toujours, je sais pas, notre petit truc dans notre coin. Tu sais, on n'a pas. Je sais pas ce que tu t'imagines avec Instant Crush, mais. Ah, c'est une vidéo qui a fait quelques vues, mais c'est pas non plus des 100 000 vues, quoi. Ouais. Non, mais en gros, pour répondre à ta question, on continue de faire notre truc, on s'amuse, voilà. Bah, je sais pas à dire, mais en fait, on a déjà joué avec notre ancien groupe, Hawkins. On était déjà passé 3 ou 4 fois, je sais plus. Donc, c'est une salle qu'on commence à bien connaître. Mais après, c'est intéressant de revenir avec un nouveau projet parce qu'on sait pas comment le public va réagir. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait vachement de rock. C'était assez bourrin. Ouais, c'était assez bourrin. Donc, les gens se prenaient un gros truc dans la face. Là, on va revenir avec quelque chose d'un peu plus. Faut être plus à l'écoute des textes. Un peu plus soft. Ouais, plus soft aussi. Ouais, plus électro, plus pop. Plus, ouais, voilà. Et qu'est-ce que vous allez jouer par exemple sur scène? Tous les titres de l'EP ou il y aura quelques exclus? On joue tous les titres de l'EP, on joue quelques reprises aussi. Voilà. Ouais, globalement. Globalement, si tu veux, tu pourras filmer quelques extraits, quelques courts extraits pour donner envie de venir nous voir. De venir, ouais, là. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Si tu veux en dire qu'un. Non, mais arrête. C'est horrible, ça. Je sais rien. Je sais Nirvana Muse. Ouais, Nirvana, Muse, tout ça, tous les gros groupes un peu clichés, quoi. Mais... Est-ce que moi, je le... Toi, tu sais pas. Moi, je réponds pas. Pourquoi? Comme t'es skill. T'as des skills. Absolument. Absolument. Il faut être présent partout sur les réseaux sociaux pour... J'ai mal au bras, hein, c'est... Oui, bah oui, faut essayer d'être présent le plus possible. Ouais, carrément. Il y a tellement de gens, tellement de musiques différentes, tellement de trucs. Ça se démocratise vachement, donc... faut être là, faut se montrer. C'est partie du jeu. Twitter, Insta, YouTube, Facebook, l'aimant musique ou l'aimant officiel. L'aimant officiel. Et le site internet, l'aimantmusique.com.
Merci les garçons. De rien, merci. Douce.